That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Alors, si vous n'étiez pas au courant, oula, il nous faut de l'eau. Si vous n'y étiez pas au courant, nous avons, on peut nourrir un pays? Non, peut-être pas quand même. Mais nous avons récupéré tellement de nourriture que, on pourrait en fait, je pense. Bon, ça demanderait quand même beaucoup de nourriture, mais on pourrait rester quasiment au max de la faim pendant au moins une semaine facile. Genre tout le temps être full. Quand on a besoin de manger, on mange. Genre tout le temps. On va pas le faire, on va en garder le plus possible, évidemment. Mais je suis sûr qu'on pourrait faire ça. En tout cas, nous avions des flèches à faire. Je crois, non? Je me rappelle plus si on avait des flèches à faire ou alors... Ou alors j'ai tout posé. Non, si, on pourrait faire des flèches. Est-ce qu'on les fait? Je sais pas si on les fait. Parce qu'en fait, alors oui, bon, on a combattu un élan. Et en récompense, les flèches se sont plus ou moins dédoublées. Donc on en a un peu quelques-unes. Enfin, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Mais bon, c'est comme ça. Faudrait qu'on répare nos vêtements. Faudrait qu'on répare nos vêtements. Je vais le faire ça un peu plus tard. On va prendre un peu de tissu. Non. On va prendre un peu de tissu sur nous. Toc toc toc. Hop. Et ce qu'on va faire en fait, c'est... Je pense qu'on va aller se balader et essayer de récupérer de la peau de cerf, je pense. Je vois pas trop quoi faire d'autre. Pêcher, ça nous sert pas à grand chose. On va... Putain, regardez-moi tout ça, tous ces boyaux frais. Pêcher, ça nous sert pas à grand chose. Donc, à part le... On va faire la cape, hein, sinon on va faire la cape. À part récupérer du fuel, donc à la limite, on ira pêcher uniquement si on a le mal de l'enfermement, mais vraiment uniquement pour ça. Voilà quoi. Bah ouais, voilà. Je pense que ça, que c'est tout. On va prendre ça. Très bien. On va prendre ça parce que j'ai envie de me balader un peu. Alors, alors vous rappelez? Je crois. Alors, je suis pas sûr, franchement, je suis pas sûr. Je sais pas si on a récupéré la peau ou pas. Mais il y a encore du loup. Oh. Encore du loup. Oh merde. Ok, il y a des nouvelles meutes en fait. Intéressant. On va les éviter. J'ai pas vraiment envie de les combattre en fait. On va passer par là. Alors, vous rappelez, alors, vous, si on continue sur cette route. Après on va arriver à un endroit, tiens il y a un bâton, qui... un gros bâton, un gros bout de bois qui vient d'apparaître. Si on continue sur cette route, pas celle en face, l'autoroute, hein, nous arrivons à des maisons brûlées. Et là-bas il y avait une carcasse en fait de cerf. Et je sais pas si on l'avait pris ou pas, honnêtement. Je sais plus si on avait, enfin récupéré la peau en tout cas, parce que c'est la peau qui m'intéresse. Donc voilà, c'est là-bas là. Tout droit. Donc, franchement, j'ai juste envie d'aller voir ça. Et puis voilà. Après, avec les loups, on peut faire qu'un manteau.
Je crois pas qu'il y ait grand chose à faire en plus. Ah, il y a un loup. Ok. Ok, alors lui par contre, faut se le faire. On joue. Je veux pas dire, mais c'était en plein dans la tête. Hein. Bon, s'il va là-bas, tant mieux pour nous. Je veux pas dire, mais c'était quand même en plein dans la tête. Là-bas aussi, on a l'ours. J'ai envie d'essayer l'ours. Mais je pense que l'ours est beaucoup plus résistant que l'élan. L'élan, c'était quand même 4 flèches, c'est pas beaucoup. Alors je pense, je crois bien en avoir tiré une en pleine tête. Mais bon. L'ours, ça va être autre chose. Hein. Après, ce qui est bien avec l'ours, c'est qu'il est près des petites cabanes de pêche. Donc à la limite, bon. On pourrait s'en servir. Bon, il est allé où ce con? Il est allé où ce con de loup? Ouais, genre, aller à la petite cabane là, se mettre à l'intérieur et tirer des flèches. Et on continue comme ça. Ce serait fort possible d'y arriver. Ah, il est là. Bien joué. Par contre, je crois qu'il a dû perdre la flèche, en fait. Ah non, elle est là. Elle a dû tomber, en fait, du corps. 36 minutes. Attendez. Ok, on est à moitié, ça marche. On va boire. Ok, donc on vient de sortir, on vient de récupérer une peau. C'est pas mal. Je vais aller voir. Ça serait bien qu'il y ait une peau là, en fait. Enfin une carcasse de machin là. Mais je crois qu'on va rentrer bientôt parce que là j'ai aucun endroit pour me réchauffer et on est quasiment à 50% de gel. Donc c'est vraiment pas bon. Yes, parfait. Ok, alors. 17. Il va falloir faire du bois aussi. Hein. Ravager une maison. Je crois. Tu fais moins 7, ça va. Moins 7, ça va. On peut se réchauffer vite en fait. Et après, je fais le tour, je récupère les champignons, tout ça. Non, ça va, c'est une bonne sortie ça. Si le temps reste cool, c'est une très bonne sortie. Allez, dépêche, dépêche. On va prendre la 37. Ouais, si le temps reste cool avec nous, c'est une bonne sortie. Il nous faut quoi? Manque de petits bois. Putain de merde. Oh la vache. J'ai fait une... Faut qu'on fasse du petit bois. Faut que quelqu'un me rappelle de faire du petit bois. Parce que là, on est dans la merde à chaque fois. Par contre, la torche, elle est basse. Ah oui, aussi. Alors, j'ai vu dans les commentaires. C'est bien ce que je pensais. Alors, j'ai tendance des fois
à me lancer et dire allez, on va croire ce que les gens disent en commentaire. Hein. Mais quand il y a écrit trou vidé, en fait ça veut pas dire, pour la pêche hein, je parle, ça veut pas dire qu'il y a plus de poissons. Et je suis désolé pour ce son là, si vous l'avez entendu, c'était Windows. Ça veut pas dire qu'il y a plus de poissons. C'est tout simplement, ça veut tout simplement dire que. Attendez que je me concentre un peu. Voilà, très bien. Tout simplement dire que le trou est vidé de la glace en fait. Et c'est bien ce que je pensais moi. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Petite. Là on a 87. Alors je voudrais bien pouvoir le faire sans les mains. Ça serait cool. Là on va mettre tout le bois. Comme ça, ça sera chaud. Plus 16 degrés. Voilà, elle est pas un peu plus. Alors on va voir si on peut pas aiguiser quelques trucs. Le couteau, on l'utilise beaucoup en fait. Ah voilà, on est 3. Hop. Je sais pas si c'est possible de le faire à la main. Je pense. Non, attendez. On va prendre la torche qu'on a dans l'inventaire et l'utiliser. Parce que je voulais prendre une torche. Une torche directement du feu, mais ça va enlever des minutes. Donc à la limite, on va faire comme ça, à la place. Hop là. Il ne fait pas trop froid, c'est bien. Là, on a une bonne sortie, là, ça va. Et après, on peut s'aventurer. Maintenant qu'on a beaucoup de nourriture, donc on peut manger à notre aise et tout ça. Donc du coup, on va dire qu'on peut s'aventurer un peu plus loin, un peu plus hardcore niveau de la vie. Parce que à chaque fois, on va avoir beaucoup de nourriture, donc on va régénérer beaucoup de vie. Donc à la limite, vous voyez, on peut un peu pousser le truc, pousser la survie un peu plus hardcore en fait. Vu qu'on peut se régénérer plus facilement. Ouh la vache. Ok. Ah, ok, ok, ok. Lui, il est chiant par contre. On va se remettre près du cadavre et on va espérer qu'il vienne pas vers nous. Ouh la vache. Voilà. On va briser ça, recycler. J'ai un peu peur là. 49, fais voir. À la main, voilà, 36%. Ah voilà, 36 minutes. Parfait, on la prend. Il y a du vent. Mais on est toujours protégé. On prend les plumes. On est bon. Alors, est-ce qu'on prend boyau? 1h20, c'est quand même beaucoup. La nourriture, à la limite, on s'en fout. On va faire de l'eau. Avec ce qu'on a, ce qui nous reste. Parce que l'eau, vous avez vu que ça commence à descendre vite. Donc ça, il en faut toujours. Je voudrais bien que le vent s'arrête, ça serait cool. On a à peu près une quinzaine de boyaux. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des boyaux là? Je sais pas. On va peut-être le faire. Peut-être le faire, je sais pas. On va voir comment le temps se gère. Tant que j'ai le feu, je veux continuer à faire de l'eau. Et après quand on partira, on va prendre une torche. On sait jamais si l'ours il est toujours là, on lui fera ya ya avec la torche.
Voilà. Bon, bah maintenant c'est un peu des sorties. Je crois qu'il s'approche. Là-bas, il y a des... Ok. Oh mon dieu, je crois qu'il est juste là. Ok. J'ai compris. C'est ton territoire. Il est pas parti ce con. Ok. Ok, tu veux jouer au connard. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Ah, c'est bon. C'est bon. Je vais en profiter au maximum, c'est pas lui qui va me gâcher mon plaisir de faire de l'eau. Il est pané celui-là qui m'arrêtera de faire de l'eau. Lui on n'est pas prêt pour le combattre, hein. On n'est pas prêt. Lui, on le combattra. On va directement tracer là. Lui, on le combattra quand on sera full vie, en fait. Tout simplement. Quand on aura genre 80% ou plus de vie, enfin même 100%, franchement, on ira le combattre. On ira le combattre. On ira le tenter. On a vu que bon, on a eu peur, on a eu chaud, mais si on utilise encore les obstacles et tout, ça risque de bien se passer. Par contre, j'ai un peu peur qu'on ait des surprises quand on rentre sur le chemin. Donc à la limite, je voudrais bien peut-être là-bas, dormir là-bas, je sais pas. Donc du coup on a récupéré que la peau. Non, j'ai pas pris les boyaux, hein, c'était une heure et quelques. Non, j'ai pas pris les boyaux. De l'eau sur la droite. Faudrait que je regarde ce que c'est le raccourci pour équiper la torche en fait. Elle n'est pas éteinte donc je peux pas la prendre. Ok. Ils sont tous sur la droite. Vous voyez les deux là, ils sont en chasse. Et après il y en a un encore en face. Il les suit apparemment, ça va. Donc il va falloir quand même faire gaffe. Ah si, on a eu la peau du loup aussi, c'est bien. Il va falloir quand même faire gaffe, on est d'accord. Car il y a des nouveaux loups. Ça va faire le cinquième, je crois, que je tue. Pas de bruit. Jesus, it's cold.
Ok, personne. Ok, tout va bien. Ok, parfait. Ouh, bon bah voilà. Belle petite journée. Très très belle petite journée, tranquille. Vraiment très très tranquille. On a refait un peu d'eau, on a récupéré deux pots qui sont rares. Qui sont assez durs à récupérer. Hop, hop. On a récupéré... On a récupéré des... un peu des plumes et tout ça. Non, non, ça va. C'était... Oui, je suis très content, là. Très, très content. J'avoue que... Bah, pff, une belle sortie. Alors... On va poser un peu d'eau, parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir autant. Ça, on va le manger en entier, je pense. Hop, 2, 3, 4. Il nous reste 3 litres. Très bien. Donc, il faut que je regarde ce qu'on peut faire avec les peaux de loup. Je pense pas qu'on ait besoin. Donc on va faire un manteau. Donc ça on le fera. Pas de problème. Manteau loup. Il nous faut le pantalon en peau de cerf. Donc il faudrait 3 peaux. Donc on en a trouvé une. Il nous en faudrait 2 autres. Je pense que je vais aller m'aventurer de l'autre côté de la zone. Dans une autre zone. Pour aller chercher les cadavres de cerf. Ou alors on va en chasser. Mais j'avoue que je suis pas super bon à chasser les élans. Les cerfs, je suis même mauvais en fait. Donc bon, la limite, on peut peut-être tenter l'ours. Fourrure d'ours noir séché, il en faut 2, oh merde. Même pour le sac de couchage, il en faut 2. Ah quand même. Enfin, ouais, je sais pas, peut-être s'aventurer... dans l'autre zone à la limite, comme ça on prend un peu de nourriture, un peu plus d'eau et on va voir si on peut pas trouver des pots en plus. En tout cas, on va regarder un peu l'équipement qu'on a et après ça dépend ce que j'ai, on va prendre des allumettes en plus. Ça dépend ce que j'ai. Et comment je me sens quand je me réveille et puis on y va. Enfin que voilà, on ira dans la seconde zone. On a ça, ça, ça. Je crois qu'il nous faut en médecine, il nous faut un thé de des autres, là, les rouges. Voilà ça, on va prendre ça. Voilà, on a deux trucs, on a ça, ça, ça. C'est bien, en vêtements, on est bon. Ah oui, il faudrait coudre. On va pas pouvoir réparer dans le noir. Ah, c'est pas grave, on réparera ça plus tard. Ça, on va boire, ça, on va manger. On a plein de flèches, on n'a pas de feu par contre. ouais, on va faire ça. Allez, c'est parti, dormons. Ça va, belle journée. Très très bonne journée. On va dormir le plus possible. Voilà. All I can think about is food. Food. Ok. Début de journée, cool. Début de journée, on se lève. 66%, 67%. Voilà, on a encore le temps. Alors, nous allons voyager un tout petit peu. Encore une fois, c'est pour toujours récupérer plus de... De peau. Alors on va essayer de voyager plus ou moins léger. Voyons voir. Est-ce qu'on a besoin d'une lampe? Je dirais non. Équipée et on va la mettre là.
Voilà, ça nous fait 1,5 kg hein, en moins. Ça, la hache, on garde. Des cailloux, on garde. Ça, on a beaucoup. J'ai envie de les déposer, en fait. Parce qu'on en a qui sont faits, donc on peut les cuire. C'est pas de problème, mais ça, bon. Hop, hop. Hop. De toute façon, j'ai les bandages, tout ça. On est bon. Ah, très bien. Ça, on garde. Hop, ça, c'est bon. On a un livre aussi, juste au cas où. S'il nous prend l'envie de lire. On sait jamais. On sait jamais. On a du fil, des aiguilles, juste... voilà. C'est bien. Et on a du tissu, on est d'accord. Hein. Du tissu. Ouais, du tissu. On va encore en prendre un petit. 10 tissus. 10 tissus, c'est bien pour voyager. Voilà, donc on va trouver du bois sur le chemin. Donc comme j'ai dit, on va prendre de l'eau, je pense. 2 litres. 3, 4. 4 litres. C'est bien. C'est parti. Alors bon, s'il fait trop froid... Quoique non, enfin s'il fait froid, on y va quand même, quoi. Ok, d'accord, il fait un peu trop froid, peut-être. Bon. Peut-être il fait un peu trop froid. D'accord, ça va. Normalement, elle devrait pouvoir travailler, il fait jour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Réparer les vêtements, réparer les vêtements, très bien. On va faire ça. Réparer, on va prendre ça. Bien joué. J'ai pas vu combien de temps ça prenait. Oh, apparemment ça prend longtemps. Combien de temps? Non, 24 minutes, quantité à réparer 58, chambre de récit 70. Ok, je vois. Là, on y va. Très bien. Putain, mais tu les répares à 100%, c'est cool. Sympa, ça. Donc, on a de la bouffe. On a ça, ça, ça. Ouais, ça marche. I never thought I'd be dying from starvation. Alors dans un sens, pour pouvoir aller plus loin, j'ai envie de manger un steak maintenant. Peut-être. Non. Non, on va pas commencer à faire ça. Parce que... toujours moins 26. Parce que si on commence à utiliser de la nourriture comme ça à tout bout de champ, il va plus rien nous rester. Hein. Il va plus rien nous rester. Donc non, on va pas faire ça. Bon, faut faire gaffe de pas tomber sur des loups. On va passer par là. Comme ça, on a un peu vu sur... On a vu et on a des petits bâtons. Alors après, ce qu'on pourrait faire, c'est... Ok, loup là-bas. Tenter de combattre l'ours. Mais j'ai franchement pas envie. Pas maintenant. Parce que le truc, c'est que... Bon, je le ferai, mais... à chaque fois qu'on tente quelque chose... C'est un peu le combat de notre vie, hein. C'est ça le problème. Même contre un loup, même s'il nous tuerait pas la première attaque, on peut tomber malade, on peut saigner, enfin voilà, il y a tout plein de trucs qui peuvent mal se passer. Il y a énormément de choses qui peuvent mal se passer. Donc c'est pour ça que j'évite. Après l'élan... L'élan c'était la bonne opportunité en fait.
Courir. On a le cadavre ici, mais on l'a déjà fouillé. Par contre, il va avoir un gros brouillard. Je pense que quand il y a brouillard, pendant un long moment, là aussi il y a un cadavre encore. Ah oui, c'est la carcasse du loup. Je pense que quand il y a brouillard, il y a des chances pour que il fasse soleil après. Et là, c'est la carcasse du cerf. Très bien. Là, encore une fois, je suis en train de regretter de ne pas avoir mangé à la limite, mais bon. Comme j'ai dit, on va pas commencer à faire ça parce que la nourriture va partir à une vitesse. Et tout ce qu'on aura gagné, en fait, ce sera pour rien. Ce sera strictement pour rien. Ok. Je pense qu'on a assez de bois pour faire un joli feu. Je connais des grottes. Je connais les... Oh, il y a un cerf. Vous voyez, là, si on avait des problèmes de nourriture, il faudrait les chasser, les cerfs. Parce que ça donne de la... Ouh la vache, le brouillard, quand même, s'épaissit. Hein. On devrait les chasser, parce que ça donne quand même beaucoup de viande. 8 kilos, à peu près, de viande. Donc ça, c'est bien. Mais... c'est très chiant de chasser un cerf, parce que déjà, il faut s'en approcher doucement, faut bien viser la première fois. Si vous le tuez pas d'un coup, il va commencer à courir avec votre flèche. Enfin voilà, c'est horrible. C'est horrible pour les chasser, j'ai vraiment du mal, moi. Donc, mais là en fait, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de la nourriture, en tout cas. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est le faire courir, en fait, vers des loups. Comme ça, il se fait attaquer. Et après, si des loups mangent toute la viande, c'est pas extrêmement grave parce qu'on a une très très grosse réserve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, dans un sens, c'est plus facile pour récupérer les pots. Peut-être qu'on essaiera de faire ça à un moment. Ok, donc là, on est à l'écoute. On est à l'écoute des corbeaux. Et tout signe de carcasse. Mais je suis quasiment sûr qu'on va en trouver là. Parce que je me rappelle que quand on était passé, je crois en avoir vu une. Je pense qu'on avait même récupéré de la nourriture, en fait. La viande. Y'a rien. Enfin, après, voilà. J'avoue que je me rappelle pas. Là, il n'y a rien. Après, bon, bah, s'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas grave. Pas l'air d'avoir de loup. Ah oui, il y a le sous-sol, tiens. Ah, on peut se réchauffer là. Ah, j'avais complètement oublié le sous-sol. J'avais complètement oublié. Deux heures. Ah, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais bon, à la limite. Voilà. Parce que c'est vrai que du métal, on n'en a pas. Quand on sera plus infecté par la viande, on mangera peut-être la viande. La viande de loup.
Je vois pas de... Je vois rien pour le moment. On a moins 19. Ok. Ça se passe pas extrêmement bien. D'accord, ça va. Ça se passe pas extrêmement bien. Vite, vite, vite. Fou. On a une entorse à la cheville, hein, c'est pas grave. Ok, fais voir un peu les vêtements. Ça va. Ouh, la vache. Alors, il faut qu'on boive le rouge. Ah, très bien. On va réparer nos vêtements vite fait. Eh ben, c'était pas prévu ça, de se faire attaquer comme ça. I'm getting weak. Ok, on repart. Fou. Ah, ça te réveille ça, en direct. On va faire un tout petit peu plus attention. Passer par là. Ah, ça, ça te réveille direct, hein. Oh, putain. Il y a des lapins. Ah ouais, cours le lapin. Il est où? Je le vois pas. Ah, il est là, ok. Je pensais qu'il était plus proche que prévu. Oh, il a attaqué le lapin. Ça t'apprendra. Ça te prendra, saloperie. Là-bas, on a la mine. Encore des lapins. On n'a pas d'endroit à visiter. Chose. Là-bas, je sais pas si ça vaut le coup de visiter. Je me demande s'il n'y a pas une grotte ou un truc comme ça. J'ai envie d'y aller. Allez, vas-y. Ok, très bien. Elle jette la carcasse de lapin en premier, c'est cool. J'ai l'impression que c'était une erreur, mais bon.
Faudrait qu'on trouve un endroit. Peut-être. Un peu à l'abri. Il n'y a pas de grotte, rien. Il n'y a pas de. Ouais, je sais pas, quelque chose. On est le bord de l'eau. Pas des pingouins. Quoi ça? Des rochers. Oh là. Bon. Ça n'a pas l'air très bien ce que je viens de faire. Pas grave. Mais... on va faire le tour par là et je crois qu'on va rentrer. Nouveau lieu découvert, l'arche. Oh! Oh, yes! Bonjour. Ok. Ok, alors attends. Alors, est-ce qu'on peut manger? Non, mauvais état. Ok, ça marche. Gibier. On va se réchauffer ici. On va se réchauffer ici. Ah, j'ai pas fait de petits bois encore, tiens. Je viens d'oublier. Ça va ? Je commence à avoir l'habitude. On va se réchauffer ici et... bah, je sais pas, on va rentrer, je pense. Pas vraiment grand-chose. Je vais peut-être essayer de dessiner la map. Je voudrais bien commencer à faire ça, mais ça prend du temps en fait, c'est dangereux. Je sais pas, je vais peut-être zapper des jours et voir un peu ce qui se passe. Enfin, s'il y a des choses intéressantes, parce que si c'est tout le temps comme ça... C'est pas super intéressant. Donne-moi des trucs, toi. Merci, c'est sympa. Alors... du charbon... ce pack est getting kind of heavy. Pas mal. C'est pas mal. C'est quelque chose au moins. On va faire tout ça à la main. Voilà. Par contre, il faut que je regarde le temps du feu, mais normalement, on a encore le temps. Voilà, très bien. Le charbon, on va le garder. Ça, est-ce qu'on le cuit? Est-ce que ça marche ou pas? On va voir. Est-ce que ça le remet à 50%? Ça, je sais pas. Je connais la viande, mais ça, je sais pas. Je dirais possiblement, mais pas sûr. En tout cas, ça nous... Non. Même chaud, mauvais état. Ouais, c'est mort, c'est fini. Immangeable. Bon, ça nous donne de l'expérience, en tout cas. Ça nous donne de l'expérience.
ce que je voudrais avoir, en fait, moi, c'est un sac de couchage, perso. Ce serait tellement bien. Je pense qu'on va y aller, on va rentrer après. You eat trees? Alors, est-ce que je peux dessiner avant qu'on parte? J'ai pas de charbon sur moi. Oh, je peux pas dessiner. Oh, je peux pas dessiner. Pas grave. Allez, on se casse. Ouh, on va faire une aurore boréale là, non? Bon. C'est pas top. Il n'y a pas de corbeau, rien. On va remonter par ce côté. Je pense qu'on a dû passer les loups, donc je pense qu'on risque rien. Ça se passe. J'ai l'impression de les entendre des fois, les loups, mais en fait non. Allez, on rentre. Bon, un peu triste parce que, ouais, on a vraiment rien eu là. On a failli crever en plus. Je vais pas sprinter parce que sinon on va se fatiguer et on va jamais rentrer en fait. Il nous faudrait un sac de couchage. C'est pour ça que si... Quoique, il y a quand même deux ours près de chez nous. On est d'accord? On a un ours qui est sur l'île. Vous savez, il y a même sa grotte et tout ça. Donc on a un ours. Qui est effectivement sur l'île. Et après, on a un ours qui vit un peu plus haut, en fait, que notre camp. Je crois. Donc, on peut la prendre, ça, là? Pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on tente le combat à l'ours. Ça pourrait marcher. Non. Oh mon dieu, je suis passé à côté de ça. Toutes les sortes en plus. Alors attendez, on va aller là-bas. On va aller dans la maison, on va aller dormir dans la maison, c'est le plus proche. Et on va faire revenir le cerf en plein milieu. Voilà, comme ça là. Voilà, très bien. Comme ça, avec un peu de chance, il se fait attaquer par les loups.
Where can I find something to eat? Ça va, reste cool. Intéressant. Là on a, sûrement des flèches. Je crois que c'était les deux bois, les derniers qu'on a récupérés. Par contre, on peut pas trop lui courir après. Donc on va directement partir. Directement aller manger. Aller dormir plutôt. So cold. So cold. Oh, en plus, j'aime bien à chaque fois qu'on est en train de rentrer et que c'est plus ou moins la merde pour rentrer. Genre on est au bord de la mort ou alors on est très très loin de notre camp. Il y a toujours du brouillard. Il y a toujours du brouillard qui arrive. Regardez-moi ça. Voilà. On commence à plus rien y voir. C'est bien. Allez, vite, 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 vite. Je pense qu'on va commencer à attaquer le loup. L'ours, je pense. Et on va tuer les deux. Je sais pas trop comment. Je pense que je vais faire comme l'élan. Je vais essayer d'utiliser des montées, des rochers, etc. Et on va devoir les tuer, les deux. Et après, on va pouvoir faire un sac de couchage. Je pense que le top, c'est le sac de couchage. Par contre, le sac de couchage, si je me rappelle bien, enfin, en tout cas, le normal, quand vous l'utilisez, il s'use. Ça, c'est emmerdant. Je sais pas comment ça se passe avec le sac de couchage. Est-ce que tu vas pouvoir monter, Torres, parce que là, c'est un peu pentu. Ouais, ça va. Non, ça va pas. T'es sérieuse? Faut que tu montes, hein. Merci. Monte les genoux, putain, t'as jamais appris ça à l'école. Je sais pas après comment ça se passe avec un... Mais merde, il m'a vu. Il grogne pas pour le moment. Mais il y a un loup. Ok. Tiens bon, Torres. On est à la maison. Parfait. Fou la vache. Faut qu'on vite qu'on mange avant qu'elle s'évanouisse. Vite, mange, 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 mange. Très bien. On boit et on dort. J'aurais dû manger la nourriture du... C'est pas grave. Allez, on dort. C'était une belle sortie au final.